Et la grève à l'IMED se poursuit. Le personnel gréviste s'est rendu ce matin dans les locaux de l'ARS, l'Agence régionale de santé. En cause, le contact serait rompu entre les agents et la direction de l'IMED. Hier, durant le conseil d'administration, les agents ont obtenu la rupture du mandat de gestion au sujet de la tutelle de l'établissement. Depuis, le directeur par intérim ne souhaite plus retourner à la table des négociations. Les grévistes en attente d'un dénouement espèrent donc être reçus par l'ARS. On écoute Éric Miatti, secrétaire général Santé Sociaux, CFDT, au micro d'Olivia Garrett-Alaïs. Entre le conseil d'administration et l'ARS, nous sommes en train d'être baladés de droite à gauche sans avoir une réponse claire sur ce que va devenir les négociations et la situation de l'IMED. Donc ce matin, nous avons jugé utile de nous rendre à l'ARS pour que la tutelle puisse se positionner. Et la tutelle, l'ARS, botte en touche en disant « ce n'est pas nous, c'est le conseil d'administration ». Le conseil d'administration dit « ce n'est pas moi, c'est l'ARS ». Il faudra bien que Madame la DGARS nous rencontre et nous parle. Elle nous le doit, ça. À moins qu'elle nous signifie qu'elle n'est plus compétente. Si elle est DGARS, il faut qu'elle nous rencontre. Elle nous le doit, ça. Elle le doit aussi, non seulement à ses enfants qui lui sont confiés, à ce personnel qui travaille dans cette prise en charge, mais à toute la population guyanaise. Suivez l'info sur Guyana Première, télé, radio et Internet.